car lui c'est Squeezie. On t'a cliqué sur ma vidéo, putain. Que faire si l'ascenseur reste bloqué et que je suis avec un fille? Alors je sais pas trop ce que tu insinues, mais si tu es avec un fille, fais quand même attention. Tu pourras avoir des putains de surprises. Là je... Mais c'est un truc de dingue! Oh putain, je les ai retrouvés! Oh c'est sûr. Bonjour Bambi, comment ça va? Il s'en bat les steaks de ma vidéo. Ça va ou quoi? J'ai envie de le toucher mais j'ose pas trop, je vous avoue. Putain, il tourne la tête, c'est pas facile. Il a le regard cassé, voilà, j'ai pas trop compris. On dirait un homme bébé. Il a l'air Yuko. Yuko, ça veut rien dire. Il a l'air grossier, genre bouffi. Oh, attends, mais c'est bon. Il te pète pas au cul? Non, je sais pas, on a eu chaud, il a pas pété. Alors, ouais, on peut monter, apparemment. On peut monter, attends, je monte avec toi. Mais ouais, mais je comprends pas sur quoi on est. Un carré? Je sais pas. Peut-être une table basse. Oh là, il a des kilos un peu là, notre Iron Man. Effacez-moi ce gras. Attends, là, on a un bon truc, hein, pour de vrai. Hein. Là, on a vraiment un bon truc. Hein. Ils ont fait une fumée derrière tellement belle. Les noirs, c'est une pente dangereuse qui risque de mener à la poutre de Bamako. Elle est bien. Enculé, enculé. Non, fais pas ça. Oh, les gens vont te huer. Oh, du coup, tu vas arrête, t'as pas tué. Du coup, tu vas sans se prendre de mamie. Regardez-le, lui, le frustré. Voilà, on va pas se prendre le chien qui pisse. Putain, mais je suis jusqu'où là-dedans, alors, mec. Ah, le poteau, putain. Oh, le screamer. Ah, ah, s'il te plaît, pas de piège. Oh, je l'ai flairé. Là, ça sent le piège, mec. Oh non, mais il est super dur ce saut, mec. Salut, Baptiste. Squeezie. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va super bien. Qui te met la fessée, Pierre? Réponds à cette question. Ma mère, uniquement ma mère, mais elle a arrêté, elle a arrêté. Des mises à jour, quoi. Enfin, essayer à peu près ce qui change. J'ai vu qu'il y a une barre d'XP et une barre avec des cuisses de poulet. Salut. C'est quoi ton petit nom propre? Enfin, bon, voilà. On trouve toujours la place quand on a pas trop de budget. Ok, est-ce que ça marche? Oui. Putain, c'est de la grosse merde. C'est pas grave, on va recommencer. Mais non, mais non, mais non, mais c'est un sketch. Pourquoi il est pas scotché? Mec, c'est un sketch, quoi. C'est super dur quand il est énervé. Ah, mais regardez, en fait, je peux rester appuyé. Ça tire ultra vite. Je suis trop con. Oui mec, là tu prends ta rive d'un coup, hein. Ça va pas tarder à passer au mode lave, attention, soyons prêts. Ok, on est bon. Ah, putain mec, mais du coup c'est ultra dur. Oh, mec, c'est ultra dur quand il y a le mode lave. Oh oui. Oh, il y a des bras qui sortent du sol, mon gars. Des bras qui sont plus grands que moi. Mais non. Mais c'est ultra stylé, mon gars. Mais là, si on a pas senpai, mais qu'est-ce que tu veux, quoi. Oh, on peut se déplacer. Mais non, on peut traverser les murs. Ah non, ah bah c'est nul alors. Remboursé, putain. Il y a du sang, mon dieu. On prend ça, voilà, regardez, hop. Voilà, on cicatrise en le brûlant, bien comme il faut. Non mais mon gars, vas-y. On va couper les tissus. Docteur Squeezie dans la place. On fait des trous dans sa tête. Des trous dans sa tête. Attends, mais là, le trou, il part en couille, hein. Attends, je viens de cracher un truc énorme. Là, c'est l'infection, c'est sûr. Impression pareil, il est hanté. Ils sont là. Les bugs. C'est génial. De toute façon, avec Windows, on est habitué aux bugs, hein. Bill Gates. Vous avez trouvé un moyen de nous sortir de là? C'est un désastre. On fait quoi? Comment je vais venir un succès commercial avec tous ces bugs, moi, maintenant? Qu'est-ce qu'un développeur ajouterait pour vendre une création toute buggée? Je vois trois possibilités. Des super manas armés jusqu'aux dents, des tonnes de zombies, ou bien une... chèvre. Ouh, tu t'en souvenais, hein? Bien sûr, bien sûr, Hugo. Ah oui! Non, non, je suis pas, non, bâtard! I'm so sorry about that. Ah, c'était bien caché, celui-là. Mais ça sert à rien, en fait, le champ de force, à part trop. Arrête de faire des crottes comme ça, pour il moi. En a une. Oui, les gars, oui, les gars, il faut la zone rouge. Oui, les gars. Tu deviens un Iron Cat, mais tu dois constamment chier des arcs-en-ciel. Bien sûr que oui, putain. 44% des gens veulent devenir un Iron Cat, quand même. Hein. C'est vous dire la vie de merde qu'on a. Ça marche comme ça. Avec tous ces trous sur moi, plus de problème pour respirer. Bah j'ai adoré ta blague. J'ai adoré dans la douleur et dans la rage. Non mais non, il y en a deux. On s'en fout de ce que j'allais dire, ça ne nous intéresse pas. What? Mais c'est bugué, mais vous avez vu ce qui s'est passé, hein. C'est drôle, on fait semblant de rire parce que ça passe mieux, hein, que de rager comme une grosse merde, hein. Est-ce que Monsieur Pomme régnera sur le monde contre Banana Man et protégera-t-il son peuple? Je suis Monsieur Pomme et je régnerai sur le monde après avoir tué Banana Man. Ma colère sera terrible. Mais putain. Regardez, comme je suis joli là d'un coup. Ça passe avec tout. Attends, mais c'est incroyable. Regardez. Oh. Appelez-moi Squeezette 2.0. C'est abusé comment ça marche bien, mon gars. Regardez, mais c'est un truc de fou. Masque. Ah, c'est quoi ça?
Bon bah écoutez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais me remettre de mes émotions parce que ma tête a quand même explosé, faut pas l'oublier hein. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Peace.